Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne The Hardcore Gamer. Aujourd'hui, je suis accompagné de Boulator. Bonjour à tous. Et nous continuons nos vidéos découvertes de jeux plus ou moins bien. Hein. Ouais. Là, c'était très négatif. Et là, on va faire du Blood Drive. Ouais, Blood Drive. Donc, bah, c'est un jeu Activision. Hein, donc, c'est un signe de qualité, bien sûr. PEGI 18. Avec du online, il est jamais sorti en France. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est trop mauvais ou trop gore, ou un peu des deux. Alors le but c'est très proche de Carmageddon en fait. Moi c'est ce qui m'avait fait craquer, ce qui m'avait fait que je l'avais acheté. C'était Sexy l'infirmier. Ouais, c'est clair. Là ils ont un look. C'était de dire bah voilà, une sorte de remake, un nouveau Carmageddon, et ça me tentait bien. Alors. Ils ont un look, voilà, déjà au niveau des personnages, au moins, comment dire, il y a une certaine patte graphique, tu vois, c'est quand même, c'est assez sympa, ils ont essayé de faire des ouais, trucs, c'est bon, un peu, le mec un peu, ouais, voilà, le mec un peu barbu en infirmière dégueulasse et tout, c'est second degré, très second degré, donc ça c'est, non, moi non, ça m'a bien plu. Si tu as vu un infirmier barbu, bon, pas avec la gueule pleine de sang, mais... Et puis côté zombie, ça, ça marche bien. Surtout en ce moment. Mais ça, ça date de quand ça? Ça date de quand? On a une question qui est bonne. 2010. Oui. Ouais. Alors par contre, c'est là que ça commence à faire un peu plus mal. Ouais, j'ai pas compris ça. Je t'avoue, je sais pas. C'est pas grave. Donc il y a des zombies et on est une voiture. Bon, jusque là, voilà. Là, j'aimais bien ça, moi, ce côté. Défoncer tout le monde, ouais, j'aime bien. Mais ça. Par contre, la gestion des collisions, bon là ça va. Bon, les zombies, il y en a pas tant que ça finalement. Bah... Enfin, on a un peu de mal à les. Voilà, alors là par contre, c'est là qu'on voit que la. Tiens, l'infirmier. Ah la vache. Ah, une question, c'est. Ah, mais je peux reculer, d'accord. J'ai pas une autre arme que le lance-mode. Alors tu peux en ramasser. C'est, tu les ramasses sur c'est les items que t'as là. Que tu ramasses. Je vais défoncer le. Tiens. Tac. Ça me rappelle un et jeu but... sur. tu te fais des games. Bon, ils ont dit, on s'en fout. Un jeu américain aussi, mais. C'est pareil, le principe était ça, c'était de se foutre sur la gueule. Pas Carmageddon, d'ailleurs, ils vont faire un reboot d'ici peu. Mais. Oula. Je sais plus le nom du jeu, c'était pareil, sauf que tu te foutais sur la gueule et c'était vachement plus beau, vachement plus fun. C'est vrai que là en plus, toi des fois t'as. Moi ça lag pas. Ça lag pas, t'as un peu de. Je savais pas défoncer toi. Ouais, bah y'a rien. Ils sont un peu crénelés des fois dans le de fond d'action. Là c'est pour aller plus vite. Et ça va être une arme ça. Donc là t'as pris les mines donc c'est naze. Parce que du coup tu peux plus taper. Ouais, c'est con. Tu peux écraser du zombie dessus, ça me. Ouais, oui. Ça c'est pour réparer parce que t'es dans le jaune, t'as raté. Merde, ça l'est, il est bien. Ah oui, tu fais chaud les items. Donc il reste deux. Alors, oui, le, au niveau du principe, t'as du temps. Et c'est à celui qui fera le plus de dégâts ou qui écrasera le plus de monde. Ah merde. Donc là, t'es troisième, t'as défoncé 66 zombies. Et donc, bah voilà, le but c'est de faire le plus dégommer le plus de zombies. Je sais plus si les dégâts avec les... Ouais, ça tombe pas en fait ce truc. Et voilà, et ça coupe d'un coup. Ah non, t'en as eu 25 pour ça. T'en as fait 100, t'es toujours 3ème. Le but c'est quoi? De buter les zombies ou ouais, le but c'est de tuer le plus de zombies. Mais il y en a quasiment pas, toi. Bah, il est invisible, mais ça va. Wow, okay, c'est là qu'on voit que la physique est bien gérée. Ah ouais, magnifique. Je pense que j'ai jamais une physique aussi bien. Ah, fait. T'es repassé deuxième là, de voir maintenant que tu t'acharnes un peu plus sur les zombies. Ah, mais tu dis zombies, c'est rigolo, mais moi je préfère avec un fusil à pompe. Et c'est vrai que moi ce que je reprochais un petit peu à le jeu, c'est que j'y ai un tout petit peu joué, enfin, là, par rapport à nos vidéos de découverte qu'on a fait jusqu'à maintenant. Celui-là, j'y avais un petit peu touché.
C'est le défaut, c'est vraiment, bah voilà, voilà. Là, tu te dis, putain, il n'y a plus personne à défoncer. Donc tu perds un peu de temps. C'est un peu dommage. J'aime bien ça. Désolé. Mais ouais, c'est clair, il y a pas un jeu. Il est assez répétitif. Oh bah oui, carrément. Et puis, le pire, c'est que tu sais pas où tu tapes, en fait. Ouais, tu sais pas trop. Ouais, j'ai explosé, non. Y a pas tout... Carmageddon, il y avait des courses. Enfin, tu pouvais les jouer en course. T'avais du bonus... Mais c'était pas des onzons, c'était petites vieilles écrasées. Ouais, enfin, encore... pas trop, mais... Merde. T'es en rage, tu peux plus sur carré à carré. J'ai pas le temps. Oh, t'es deuxième, de vrai. Ouais. Mais je suis un tour loin, attention. Ah oui, il y a plusieurs types de courses, ça aussi, ouais, c'est sympa. Il est là-dessus, il est assez riche. Ça, j'ai encore compris. Donc là, c'est une course. Non, ah, faut, ah voilà, faut taper les zones. Alors là, c'est un peu le bordel, faut bien admettre. C'est comme une course, mais sans circuit. Et là, tu l'as raté. Et donc là, tu prends vachement de retard. Là, sérieux? Et tu ne peux pas dedans. Et là, t'es mort. Là, c'est fini. Voilà, et c'est à partir de là que ça commence à être le bordel. T'as un crève, toi. Et si je bute tout le monde? Ouais, ça doit marcher. Mais par contre, c'est la même arène que tout à l'heure. Non, mais dégage. C'est plus ou moins un circuit, mais bon, y a, c'est vrai que. Y a pas d'ordre. Bah non. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est pareil, celui-là il joue pas à deux. Ça c'est un truc que je regrette beaucoup, c'est le nombre de jeux PlayStation pour lequel on peut plus jouer. Alors, il y a online, mais en local, il y a de nombreux jeux auxquels on peut plus jouer à deux. Merde, je suis encore à deux zones. Eh, t'es 6ème. C'est pourri, on peut le dire. C'est un peu compliqué. Oh, mais c'est. Je... Oh, et putain! Mais je fais pas gaffe en fait, parce que. Revenez là! Ouais, d'accord, les autres. Ouais, je passe par où là? Dans l'avion. Dans l'avion? Ils sont enlevés. Ok. Non, non, mais. Ok! Ouais, chez moi les zinzins. J'ai pas de boue, j'ai rien en plus. Ah si, hop. Ouais, c'est pas. C'est assez bizarre en fait. Enfin, faire des courses dans un circuit, ça aurait été peut-être plus. Oh merde. Ah bah, il s'est accroché. Non, ce coup-ci, je le rate pas, c'est bon, j'ai raté les conneries. Ah ouais, mais bon, tu vois, t'as raté la première, et puis depuis, t'es sixième, mais. Ah, c'est. Tiens, j'ai envie de voler. Et toi, quand tu connais pas la course, bah, tu. Bah ouais, mais. Mais c'est. Oh non, je crois que. Ça passe. Hein. C'est moi ou c'était le bruit que faisait General Lee dans Sheriff et mon père. Ouais, si. On demande que tu le dis. Oh non! Ratez la zone! Oh la loose! Ouais. C'est toujours ce qui est un peu compliqué dans les jeux comme ça, avec des voitures à arène. Et alors là, faut pas tomber parce que sinon, faut que tu retournes tout en haut du toit et tout, donc tu te le rates pas. Oh non, il en va. Hop là, je fais chaud. Mais c'est bordel en fait, enfin... Ouais, c'est vite le bordel, et puis je te dis, t'es incapable de refaire ton temps, quoi. Mais là, tu sais pas où tu vas, t'as... Moi, je suis complètement à l'arrache. Ah bah, c'était là. Mais ouais, moi, c'est... Et puis, il y a combien de checkpoints? Oh, bah, Les gars, c'est 14, un brillant. Apparemment, et il reste 46 secondes. Je pense qu'il y en a tant que la course n'est pas finie. Il est chaud. Oh, puis la maniabilité des véhicules sont vraiment. Enfin. Le mec là, c'est assez bizarre en fait. Parce que quand il freine, en fait, il glisse.
Ouais, tu vois, mais c'est toujours si bien. Mais il y a être riche. Ouais, les maps, je crois que c'était un peu ça le truc. C'est qu'il y a triché un peu. Voilà, donc là ça devient déjà sur son trip de course, c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est impossible. Hein. Ah, comment ça. Ouais, non, je vais rien dire. Ah, Dimension Derby. Ça, tout fait répéter. Donc c'est là, détruire le plus de véhicules. Donc là, faut les achever. Donc toujours le même circuit. Ouais, redondance. Les gars, je peux voir du monde ? Ouais, t'as gauche. Et j'ai un lance-roquette, moi, les enfants. Ah, mais... Putain, mais c'est quoi, ce truc ? Ah, t'en as tué un. Mais ouais, non, mais le truc... C'est que... Non, mais je lui ai tiré dessus et ça déviait mon personnage. Ah, j'ai toujours... Enfin, j'ai... La main est méditée, franchement, j'arrive pas à lui faire. Tiens, ouais, deux. Trois, t'es premier. Mais je vais crever. Il faut réparer. Et c'est où les zonzons? Il y a une grosse requête. Ils sont les vieux. Je vais faire ta main, t'en as pas vraiment devant toi, t'en regardes. Il y en a une, mais là faut de l'achever maintenant. Casse-toi toi. Il est parti où? Ah, il est à ta... Et il est devant toi. Ah mais la vache, toute la vie qu'il a repris. Ouais. Bon, c'est toujours la même animation au ouais, même endroit. Clair. Ouais. La première fois c'est rigolo, mais après c'est bien noir. Ah bah voilà, ça c'est un truc rigolo. Il pouvait pas me... Merde, allez. J'ai envie de freiner Merde. Je suis survie par un keuf. T'as pas ce but de vie? Y'a pas un frein là, bordel? Ouais, mais sérieux. Alors, ce qui compte, c'est de les détruire. Je suis deuxième. T'as plus de balles. Merde! On fait quoi? Oh, c'est quoi ça? Oh non! On ne saura pas! On enfoiré! C'est dur hein, parce que t'en as tué que 3. Ah non mais c'est pas. Non puis franchement. Super, ça c'est vachement ok. Puis tu cherches. Hein. Ouais c'est ça le problème, c'est que l'arène est tellement grande que tu es obligé de chercher, tu sais pas où tu vas. Puis... Tu sais que t'as des mecs par là. Bien quand je vais arriver, il n'y aura plus personne. Tiens, dégage toi. Là tu l'as pris dans les dents. Merde. Fille-moi les harpons, on va rigoler. Déjà? Oh putain. Viens là toi. J'ai un compte à rendre avec tes cusses. Hop. Voilà. 15 secondes, il y a moyen de finir premier. Non, 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 cassez-vous. Mais putain, il est où l'autre? Viens là, connasse. Putain. Ouais, c'est le problème. Mais chier. Ouais, mais Tania, c'est pas du jeu, elle a un gros camion. Ah, j'ai un point en plus parce que j'ai niqué le rival. Et voilà, et t'as perdu la coupe. Ces trois types de circuits, c'est pas énorme. Hein.
Après, il y a plusieurs types de courses, mais il y a plusieurs circuits. Hein. Là, c'est premier monde, en fait, l'aéroport, on va dire. Ouais, t'en as plusieurs. Ouais. Donc voilà, mais bon, il est un peu répétitif, et effectivement, au niveau de la... des sensations physiques, de la maniabilité, il aurait pu être fun. Je pense qu'il lui manque un tout petit peu de finition pour en faire un bon jeu. Il y avait le côté sympa, moi, il m'avait bien plu sur le thème, défoncer les autres mecs, entourer de zombies, faire du high score, tout ça. Moi, sur l'idée, c'était assez défouloir, je trouvais ça sympa. Mais il manque de finition, quoi. Ouais, mais c'est dommage, parce que c'est vrai que ça aurait pu être un jeu sympa. Ouais, et puis même en zone, t'es obligé de te finir un championnat, quoi. Bah ouais. Dommage. Mais bon, voilà. Après, il est jamais sorti en Europe, donc... Si, il est sorti en Angleterre, c'est la version anglaise. Ouais, mais pas en France. Mais il est jamais sorti en France, ouais. Bon, bah écoute. Bon, voilà. Sur ce, on va vous laisser, puis on va y aller à la prochaine vidéo. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.